Tous les matins, notre jardinier préféré, pas tous les matins, mais pendant l'été, Philippe Collignon va nous faire découvrir des jardins exceptionnels. Et là, direction le Loir-et-Cher. Alors avec un jardin qui est tellement exceptionnel qu'il a reçu le label de jardin remarquable. Bonjour, direction Sanières dans le Loir-et-Cher, pour découvrir une maison familiale qui nous ouvre ses portes pour admirer un jardin extraordinaire. La philosophie du jardin, c'est d'abord un lieu de partage, d'où l'ouverture au public d'un lieu qui n'a jamais été conçu pour ça, qui était un plaisir maternel et un plaisir familial. Alors on a la chance d'avoir l'eau, ça c'est l'élément central autour duquel s'organise le jardin. En plus on est dans cette vallée et en plus de ça on a ces déclivités qui permettent ces mises en scène plutôt intéressantes. Il y a une source qui est certainement la raison de la création de ce lieu, avant le jardin, parce que la propriété est ancienne. On a un moulin à eau qui doit dater du 15e siècle. La retenue d'eau a été créée pour faire tourner le moulin grâce aux sources qui remplissent le plan d'eau. Et après ça, c'est devenu au 19e une propriété de loisirs. Donc ils ont transformé le lieu, construit les bâtiments actuels et plutôt fait un bel endroit. Comme ma mère est une passionnée de la botanique et que l'un des grands exercices de la botanique, c'est d'aller piocher dans le monde entier tout ce qui existe, la limite, c'est la nature du terrain. Et nous, on est ici sur un terrain calcaire, donc évidemment, aucune plante de terre de bruyère. On n'est pas collectionneur en tant que tel. On aime plutôt les végétaux quand on les trouve beaux. À ce moment-là, on s'y intéresse. Alors la beauté, c'est très relatif, mais quand on aime un végétal, on essaye de voir si on peut l'avoir. Et après ça, dans l'art du jardin, c'est de savoir où on va le positionner pour qu'il y ait un joli assemblage avec son voisin. En plus de la forme, en plus de la teinte, il y a aussi le type de feuillage qui réverbère la lumière, qui l'absorbe, il y a les teintes de vert, il y a tout ça qui offre une palette immense. Il y a ceux qui fleurissent, il y a ceux qui sont beaux parce qu'ils n'ont pas besoin d'une floraison spectaculaire pour exister. Et c'est immense comme possibilité. Les grands arbres, ils ont une vraie présence, y compris parfois par rapport au bâti. Et quand on voit la taille des tilleuls, ils existent et ils ont une importance par rapport au bâti. Si on les enlève, tout d'un coup, le bâti va peut-être être trop imposant. Eh bien voilà, il faisait peut-être pas beau du côté où vous étiez, mais au moins dans votre petit fenestron, il fait très 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 beau.